après avoir empilé les os, comme on a pu le voir. Donc avec empilé sur un toit retourné. Là, je vais maintenant mettre une mèche soufrée. Donc voilà, c'est ce modèle-là. On en trouve différents modèles dans le commerce. C'est des mèches qui sont utilisées pour les fûts, les fûts de vin ou les fûts de chêne, voilà. Tout ce qui concerne la viticulture. Donc j'utilise une boîte de conserve, hein, donc qui vaut métallique. Pour sécuriser la combustion. Voilà. Et là, c'est allumé. Et je vais maintenant la placer au milieu des os. Donc la boîte métallique est posée sur un petit support en bois. Donc là, le gaz, la fumée est en train de se dégager. Je vais rapidement rajouter une os et le toit. J'ai rajouté une os supplémentaire. Donc là, il y a mon combustible ici, dans cette hausse-là. Là, il y a la hausse supplémentaire et le toit pour fermer l'ensemble. Alors, c'est jamais fermé hermétiquement, mais c'est pas si grave. La mèche va se consumer. Ça fait une toute petite flamme bleue. Donc il y a très peu de flamme, mais par contre, il va y avoir de la fumée. Et la fumée a la particularité de descendre. Enfin, le gaz de soufre, les émanations de soufre ont la capacité de descendre. Donc ça va bien, de façon homogène, remplir toute la colonne de hausse.